Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo consacrée à mes lectures, donc mon carnet livresque. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vais vous présenter donc mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc j'ai réussi à lire 3 livres pendant cette semaine et demie et 3 très bonnes lectures, donc on va commencer tout de suite. Alors je vous laissais la dernière fois, j'avais pas encore commencé ma lecture. Il s'agissait Le Dernier Royaume, acte 1, Lisandro Doranos de Morgan Rhodes, publié aux éditions Michel Lafon, qui était en partenariat Livre Addict. Alors déjà, la couverture est magnifique. Le dos, pareil. La quatrième de couverture est superbe. Et franchement, j'ai passé un super moment. Alors c'est un très bon tome 1. J'ai adoré me plonger dans cet univers de fantasy. La fantasy, c'est pas tellement mon truc, mais quand c'est pas compliqué comme ça, que c'est un peu jeunesse, enfin, young adult jeunesse, ça passe. Et là, c'est très très bien passé. Alors, Morgan Rhodes met en place des bases très solides dans son univers, univers que j'ai apprécié de découvrir. Voilà, on va parler de prophétie, de magie qui est sur le point de renaître. On va suivre aussi quatre personnages principaux, donc qui sont Cléo, Jonas, Lucia et Magnus. Et c'est vrai que ces personnages principaux sont vraiment très attachants. Chacun ont leur caractère, ont leur point de vue, ont leur psychologie. Et on voit qu'ils sont vraiment très travaillés par l'auteur. Et ça, franchement, c'est un très bon point positif. Alors, après, il est vrai que au début, j'avais un petit peu du mal à savoir qui était qui parce qu'on ne suit pas que ces quatre personnages principaux. Parce que la plume est à la troisième personne. Mais au début du livre, il y a tout un petit index avec donc le royaume, les trois royaumes. Après, vous avez chaque personnage par royaume. Donc le royaume d'Oranos avec ses personnages, le royaume de Palcia avec ses personnages et le royaume de Limeros avec ses personnages. Donc c'est vrai qu'au début, je me raccrochais souvent au petit index comme ça. Parce que j'arrivais pas à savoir qui était qui. Mais après, à passer les 50 pages, les personnages sont bien ancrés. On retourne petit à petit au même personnage, donc ça fait que voilà, on sait qui est qui. Et c'est très bien joué de la part de l'auteur. Donc après, avec la multitude de points de vue, j'ai trouvé que par moment il y avait quelques longueurs. Alors ça c'est presque tout le temps les mêmes choses et ça avançait pas des masses. Mais après, quelques éléments déclencheurs font qu'on avance petit à petit. L'histoire est très rythmée et on a envie d'en savoir plus petit à petit. Donc c'est vraiment super. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est très prenant. L'univers qui est dégagé et qui est mis en place est très captivant. Moi, j'ai envie qu'une seule chose, c'est de lire le tome 2 qui est paru en VO, je crois, mais je sais pas quand il va apparaître en VF. Parce que la fin est très prenante. J'ai beaucoup aimé la fin. Et cette fin est vraiment révélatrice pour la suite parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'action, beaucoup plus de magie, beaucoup plus de révélations, de prise de tête, etc. Donc voilà, j'espère que je vais en tout cas être servi niveau action. Et aussi, j'ai trouvé que Morgan Rhodes avait une plume vraiment très imaginative et très descriptive parce qu'elle nous balance des descriptions de coupage de tête et des étranglements, d'éventrations assez ouais, très descriptives. Surtout qu'on arrive parfaitement à s'imaginer ce qui se passe. Donc voilà, ça se lit très très bien. Et je vous recommande vraiment ce tome 1. Si vous voulez plus de détails, ma chronique écrite est disponible sur le blog. Elle est beaucoup plus détaillée, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu sur Makobo le tome 0.5 des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. Donc, il était une fois Cinder. Voilà. C'est la même couverture que le tome 1. Sauf qu'il est écrit en haut, il était une fois. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Parce que le tome 1 des Chroniques Lunaires me faisait beaucoup envie. Depuis sa sortie, en fait. Et cette petite nouvelle est trop courte. Parce que j'aurais aimé en connaître plus sur l'univers, plus sur les personnages, mais c'est une très bonne mise en bouche qui met en appétit. Et franchement, j'ai trop trop hâte de m'acheter ce tome 1, parce que
Ah, ça me fait trop envie. L'univers qui est dégagé par Marissa Meyer est très intéressant. Je pense qu'il va me plaire à coup sûr. Surtout que un remake de Cendrillon dans le futur, moi je pense que ça va me plaire. Donc franchement, très très hâte de manger dans ce tome 1. Et je recommande vraiment cette petite nouvelle qui est gratuite. Donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu aussi un policier qui rentre dans mon challenge 1 mois 1 genre. Et c'est donc Les Enfants de Cendre de Christina Olson, publié aux éditions Michel Lafon, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un policier vraiment très prenant et très captivant. Voilà, au début, on rentre directement dans le vif du sujet. Voilà, enlèvement d'une jeune fille dont on va retrouver seulement les chaussures qui sont sur la couverture, donc les petites chaussures rouges. Et l'écriture à la troisième personne amène vraiment un petit plus. C'est vrai qu'au début ça m'a un peu dérangé parce que il y a une multitude de personnages et il n'y a pas vraiment de personnages principaux en fait. On va suivre plusieurs personnages. Au début ça m'a dérangé parce que j'arrivais pas vraiment à me faire au style. Mais plus j'avançais dans le récit et plus je me disais que ça apportait une réelle richesse à l'intrigue parce qu'on va être sur tous les fronts. On va apprendre beaucoup de détails et beaucoup d'éléments concernant l'enquête. Et c'est ce qui fait que voilà, on est sur le qui-vive. On a envie de dépasser ce qu'apprennent les enquêteurs. Et même si on sait qu'ils font fausse route, on n'arrive pas à savoir qui est le meurtrier. Alors Christina Olson a une plume vraiment super. Franchement, moi j'ai adoré. Elle en dit assez. Mais en même temps, on aimerait en connaître plus sur l'enquête policière, parce qu'on a envie de connaître le meurtrier. Et au fur et à mesure que le roman se déroule, ça remonte en rythme, ça monte en révélation, ça monte en intrigue, ça monte en tout. Et ça fait qu'on n'arrive pas à se détacher du roman. Et franchement, ça j'ai beaucoup aimé. Voilà. Même si j'aurais aimé que la fin soit un petit peu plus, comment dire, un peu plus foufolle, un petit peu plus diabolique, comme j'écris dans ma chronique. Parce que, voilà, le meurtrier, on sait qui c'est à la fin, et puis ça finit comme si il n'y avait pas de négociation, pas trop de négociation, enfin, ça m'a plu, mais en même temps, j'aurais aimé que ce soit un peu, petit peu plus diabolique. Voilà, je pense que c'est le mot. En tout cas, je vous recommande vraiment ce policier qui m'a beaucoup plu. Chronique écrite aussi disponible sur le blog si vous voulez en connaître davantage. Mais franchement, très bon policier pour Christina Olsson qui est son premier livre. En plus, elle est analyste de la police suédoise, donc ça fait que le récit devient vraiment réel et on sent qu'il y a du vécu. Donc c'est ce qui rend les choses très positives. Voilà. Alors, dans ce qui concerne mes lectures en cours, je lis actuellement sur Lacobo. Alors je vais vous trouver ça de suite. Je lis. Si je réussis à trouver la couverture. Alors non, ça c'est pas possible. Alors je lis, je lis, je lis, je lis. Donc je peux vous dire déjà que je lis Les Gardiens des éléments, le tome 2, Vague de chaleur, de Rachel Kane, publié aux éditions Panini Books dans leur collection Crimson. Et donc je vais essayer de trouver la couverture. Je pense que ça va le faire. Non, ça le fait pas. Donc je vais vous mettre la couverture comme ça. Voilà, donc j'ai lu 11 pages sur 246. Hier j'étais trop crevé donc j'ai pas pu lire. Mais ça commence bien. Et ça me plaît assez. Donc à voir par la suite. Et j'ai aussi comme autre lecture en cours ma lecture VO qui est Six Earlier Days by David Levithan. Donc je lis petit à petit. J'en suis à 29%. J'arrive à me faire petit à petit au style de l'auteur et à la VO. Je comprends, donc c'est ce qui est l'essentiel. Et voilà, donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai fini.
Et après, je compte lire comme lecture future mon partenariat Gallimard Jeunesse, qui est donc Hérétique le tome 1, le mystère d'Isolde de Philippa Gregory, qui paraîtra le 8 novembre 2013. Et voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. La couverture est franchement simple, mais qui, je pense, tape à l'œil. Je mettrai la couverture en couleur. Mais voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère que je vais aimer. Je pense que c'est un petit peu un roman historique. Donc, à voir par la suite. Et je compte lire aussi un roman qui me fait envie parce que Jordan de Wandering World n'arrête pas d'en parler. Toutes les chroniques françaises sont méga positives, ce sont toutes des coups de cœur. Et il faut que je me fasse mon propre avis. Donc il s'agit de Revanche de Kate Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, donc c'est une histoire qui chamboule tous les lecteurs et j'ai envie de me faire mon propre avis parce que voilà, j'en vois des avis positifs à chaque fois qui sont plus que positifs. Donc voilà. La petite phrase en bas, jusqu'où irez-vous pour connaître la vérité, me tente absolument. Et puis, voilà, la petite phrase de Jordan derrière, de Wandering World, dévastateur, perturbant et obsédant, revanche d'un véritable coup de cœur, écrit d'une main de maître, ce roman nous brise, nous déchire et nous coupe le souffle. Donc j'ai envie de ressentir tout ça. Et je pense que si j'arrive à lire assez vite mes lectures, je pense que ce week-end je vais le sortir. Donc je serai hâte de m'y plonger. Voilà, donc c'en est fini pour ce rendez-vous du carnet livret. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les chroniques sur le blog. Voilà, aujourd'hui je sais pas ce que j'ai un petit peu du mal à parler et à m'exprimer. Mais les chroniques sur le blog sont disponibles et sont beaucoup plus détaillées. Donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aussi à me dire ce que vous lisez en ce moment. Ça me fera plaisir de savoir vos lectures en cours. Mais en tout cas, de très bonnes lectures, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!